Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Marie McNeil, en l'honneur de Saint-Joseph et de Saint-Frère-André. Nous fêtons aujourd'hui une sainte très célèbre à travers le monde, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La petite Thérèse, comme on l'a souvent appelée, est sans doute une des plus grandes dans le cœur de Dieu. Laissons-nous inspirer par son immense désir de Dieu qui l'a rendue si proche de lui. Nous manquons souvent de l'innocence de l'enfant qui se tourne avec confiance vers ses parents. Que le Seigneur vienne à notre secours pour changer notre orgueil en humilité et notre faiblesse en courage. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un Esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant « Abba ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia.
notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sel et lumière. Comme il le faisait pour les Romains en son temps, saint Paul nous invite aujourd'hui à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mais, me direz-vous, n'est-il pas difficile de concilier la liberté telle qu'elle est comprise aujourd'hui avec l'idée de se laisser diriger par une autorité extérieure? On le sait, aujourd'hui, on réclame beaucoup de liberté. Mais justement, l'esprit n'est pas une réalité ou une entité extérieure à nous. Cet esprit habite en nos cœurs comme dans son propre temple. Il s'agit donc plutôt de nous laisser guider par ce qui vient du plus profond de nous. Saint Paul nous invite donc à découvrir que nous sommes enfants de Dieu, profondément aimés par un Dieu qui est pour nous un bon papa, une bonne maman. Saint Paul nous invitait justement à l'appeler Abba, un mot araméen qui veut dire « papa ». Celle que nous fêtons aujourd'hui, que l'on appelle familièrement la petite Thérèse, a saisi cette vérité, même si elle a parfois semblé puérile. Elle est demeurée, plus que tout autre, dans une attitude filiale envers Dieu. Jésus lui donne raison. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, il invite ses disciples à devenir comme de petits enfants pour entrer dans son royaume. Le petit enfant qui repose contre sa mère dans ses bras, comme il était dit si bellement dans le psaume, est une belle image de cette réalité. Il évoque l'abandon et la confiance de Thérèse, de l'enfant Jésus. Elle qui a si bien compris cette vérité fondamentale. Se sachant la plus petite des créatures, elle s'est jetée
dans les bras du Seigneur pour espérer tout de lui. Et Dieu a fait d'elle une grande sainte, connue et honorée à travers le monde. Alors, chers amis, qu'attendons-nous pour nous mettre à la suite de la célèbre carmélite, pour devenir chacun de nos milieux des êtres fragiles, mais tout donnés et dévoués à Dieu? Sainte Thérèse disait « Confiance, c'est la main de Jésus qui conduit tout ». Faisons nôtre cette parole de Thérèse pour que grandisse en nous la confiance de l'enfant. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Thérèse, et nous te supplions humblement, tu aimais sa vie simple et courageuse, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Il a montré en son Fils unique qu'il nous aime comme ses enfants. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Seigneur, hosanna.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse a suivi Jésus avec attention pour courir vers Dieu comme un tout petit enfant. Avec elle, nous pouvons dire en toute confiance, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Merci Seigneur,
de nous avoir donné Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa simplicité, sa candeur, sa transparence et sa vérité nous indiquent une voie pour parvenir à la sainteté. Que cette grande sainte qui se disait petite et se blottissait dans ton amour parle encore aux hommes et aux femmes de ce temps. Que beaucoup puisent dans ses grâces d'amour et de soutien qu'elle a promis de distribuer sur la terre depuis son ciel. Que par sa prière et sa mission céleste, elle nous donne d'être fidèles aux voies que tu nous as tracées. Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité qui incitait Sainte Thérèse à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les humains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André et de Sainte Thérèse. À l'exemple de cette sainte, témoignez de la tendresse infinie du Père et allez dans la paix et la joie du Christ. Amen.